Alors la semaine d'Inté, c'est super important pour nous parce que c'est là où ça commence à créer la cohésion d'équipe qui en a besoin. Le grand jour pour le campus de Rouen, puisque non seulement nous accueillons la promo Agro 2022 et iSafe 2022, donc notre cursus international, mais également première rentrée pour notre formation vétérinaire avec la promotion Veto 001. Une école qui nous met directement dans le concret en fait du métier de vétérinaire. Déjà quand on est arrivé, toutes les personnes ont été bien accueillantes et bienveillantes envers nous. Et je pense que c'est ce qui va nous suivre tout au long de notre cursus en fait. C'est des personnes qui font attention à nous et qui font attention à former des bonnes personnes en tant que veto, mais aussi des bonnes personnes en tant que personnes de la vie quotidienne. On a donc une intégration qui est mixte avec les vétos qui sont intégrés aux H20 et aux iSafe. Et c'est une première en France que d'accueillir sur un même campus toutes ces formations. Depuis plusieurs années, je vais faire nutrition et diététique. Et à la base, je voulais partir en Angleterre pour faire des études dans ce domaine. Et puis j'ai trouvé une île à Salle. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de possibilités, beaucoup d'échanges à l'étranger, beaucoup de partenaires. Il y a une forte dimension internationale, il y a tout un réseau alumni, et puis la spécialité agroécologie est proposée en anglais. Hello, my name is Ryan. I'm an international student. I'm from Boston, or the USA. And I thought that the first impression of the school was pretty cool. Everybody was nice, even if you don't speak English or French. Donc en fait, ça nous semblait très important que nous puissions accueillir les parents en même temps que les étudiants, puisque c'est une première. C'était bien d'associer les parents à cette démarche. Pour nous, c'est une satisfaction de l'accompagner, d'essayer de réaliser, de l'aider à réaliser son rêve. Eh ben, très bien, très agréable que les parents aient pu être intégrés à ça aussi, c'est rare, dans l'enseignement secondaire. On arrive de Cassis, donc près de Marseille, et beaucoup de stress, d'angoisse, et en fait arriver ici, c'est vrai qu'on a été pris en charge de manière très sympathique, il y a eu un très bon accueil, et très rassurant je pense, hein, pour nous les parents.